Angoulême, samedi 23 mars. Le 1er régiment d'infanterie de marine et la ville d'Angoulême rendent les honneurs à l'un des leurs, le caporal-chef Alexandre Von Doren. Le caporal-chef Von Doren était un jeune évat qui s'était engagé donc en 2009 au 1er régiment d'infanterie de marine. C'était quelqu'un qui avait de fortes convictions militaires, qui avait la foi chevillée au corps. Et qui avait, je crois, pour le métier des armes, une très haute estime. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a rendu hommage à ce marsouin du 1er IMA, tombé au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Aujourd'hui, au nom du président de la République, je m'incline avec respect devant la douleur qui alourdit le cœur de votre famille, le cœur de vos frères d'armes. Mais dans la gravité de cette cérémonie, j'entends aussi la fierté de tous devant l'exemple de votre bravoure. En présence de sa famille, des hautes autorités civiles et militaires et des représentants de la ville d'Angoulême, le caporal-chef Von Doren a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Le ressenti de la ville d'Angoulême est de deux ordres. D'abord, une immense tristesse face à ce terrible accident qui est arrivé au caporal-chef Von Doren et la perte donc de ce soldat. Et en même temps, une immense fierté d'un soldat qui s'est battu pour les valeurs de la République, pour la France. Notre ville compte de nombreuses associations de commerçants et suite à des échanges entre nous, l'hommage le plus approprié nous a semblé être affiché la photo du caporal-chef dans nos vitrines. Le régiment et les Angoumoisiens regardent une dernière fois le caporal-chef Von Doren quitter la place d'armes. Il rejoint ainsi ses camarades, morts au champ d'honneur, dans l'accomplissement de leur mission.